recevoir l'adoration. Seigneur, tu es digne. Il n'y a personne d'autre si ce n'est Jésus. Il n'y a personne d'autre si ce n'est Jésus. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne de recevoir notre louange. Seigneur, nous sommes le peuple que tu t'es formé. Et tu t'es formé ce peuple pour qu'il puisse t'adorer, pour qu'il puisse te louer. Alors ce matin, a créé notre louange et a créé notre adoration. Et manifeste ta présence parmi nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. J'ai une question pour vous. Pourquoi vous êtes triste? Vous ne serez plus triste. Amen. Aujourd'hui, nous entrons dans une nouvelle saison. On a commencé par Kadesh. Ensuite, il y a quoi? Il y a Sichem. Ensuite, Hébron. Et maintenant, Betsel. Dans Josué 20, verset 8, la Bible dit ceci: et de l'autre côté du Jourdain, à l'orient de Jéricho, il choisit Betser dans le désert, dans la plaine, dans la tribu de Ruben, Ramoth en Galaad, dans la tribu de Gad, et Golan en Bazan, dans la tribu de Manassé. On a fini avec les trois villes de refuge qui étaient de côté du Jourdain. Maintenant, on traverse. On s'en va de l'autre côté. La première ville qui est établie comme ville de refuge, c'est la ville de Betser. Et Betser signifie forteresse éloignée. Le nom de cette ville fait référence à un endroit qui est inaccessible, à un endroit où Dieu veut nous recueillir, où Dieu veut nous mettre en sécurité. Et ce passage, Josué nous dit que c'était une ville qui était dans le désert. Nous savons tous que le désert est un endroit dangereux. Le désert est un endroit hostile, très peu propice à la vie. Mourir dans le désert, c'est quelque chose de très facile. Et dans le désert, le matin, il fait très chaud. Et la nuit, il fait très, très, très froid. Et c'est dans cet environnement dangereux que Dieu se propose d'être notre ville de refuge, d'être notre forteresse éloignée. Et dans Proverbe 18, verset 10, il est dit: le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Le psaume 9, verset 10, dans certaines versions, c'est le verset 11. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Et dans Nahum 1, verset 7, l'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Face à la détresse, c'est son nom que Dieu nous donne comme refuge. Et celui qui connaît le nom de Dieu pour chaque situation vivra en parfaite sécurité. Le salut se trouve dans le nom de Dieu. Dans Joël 2, verset 32, le Seigneur dit: alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Et nous devons comprendre que Dieu, notre Dieu, a beaucoup de noms. Et le salut se trouve dans chacun de ces noms. Amen. Mais le salut dont vous avez besoin pour la situation présente d'aujourd'hui là, ne se trouve pas dans tous ces noms. Se trouve dans un de ces noms. Et vous devez connaître ce nom. C'est lorsque vous invoquez le bon nom que vous recevez le bon salut pour votre situation. La manière dont vous appelez Jésus dans la vie de tous les jours fait ressortir un aspect de sa nature et le met en évidence. Si vous criez Jésus, Seigneur Jésus, 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 il va venir et il va vous accorder le salut face au péché. Parce que c'est le nom de Jésus qui nous a été donné pour être victorieux sur le péché. Si vous l'appelez Seigneur, il viendra et il sera le maître de votre vie. Si vous l'appelez Emmanuel, il manifestera sa présence dans votre vie. Si vous l'appelez Elohim, il viendra et il va créer là où il n'y a pas les choses. Si vous l'appelez Abba, il viendra et il sera un père pour vous. La façon dont vous l'appelez définit l'action qu'il va poser dans votre vie. Et lorsque nous lisons la Bible, nous découvrons, je dirais, deux grandes catégories
le nom de Dieu. Il y a les noms en Jéhovah ou en Yahweh, c'est la même chose. Jéhovah, Yahweh, c'est la même chose. Et puis il y a les noms en El, comme dans Elohim. El, Elohim. Et on connaît tous les Jéhovah. Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Sabaoth, et ainsi de suite. Et Jéhovah, c'est le nom sous lequel Dieu s'est révélé à Moïse au ministère. Dans Exode 3, verset 14, Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Je suis celui qui suis. Je suis celui qui vit par Dieu. Je suis celui qui est. » Et c'est Je suis qui est devenu Jéhovah. Et de Jéhovah est devenu Jésus. Et puis il y a les noms en El, comme dans Elohim, Dieu créateur. Comme dans El Gana. Comme dans quoi encore? El El Elion. Et aujourd'hui, vous connaissez, on pense à vous répéter. Nous voulons nous arrêter sur un nom en El. Et nous ouvrons nos Bibles dans Genèse chapitre 16, 1 à 15. Genèse chapitre 16, verset 1 à 15. Nous connaissons tous cette histoire. Genèse 16, 1 à 15. Sarai, l'épouse d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une esclave égyptienne nommée Agar. Elle dit à Abraham, « Tu vois que l'Éternel m'a empêché d'avoir des enfants. Va donc vers ma servante, peut-être aurai-je un fils par son intermédiaire. » Abraham suivit le conseil de sa femme, Sarai. Femme d'Abraham prit donc sa servante Agar et la donna pour femme à Abraham, son mari. Il y avait alors 10 ans qu'Abraham séjournait au pays de Canaan. Il s'unit à Agar et elle devint enceinte. Quand elle vit qu'elle attendait un enfant, elle se mit à mépriser sa maîtresse. Alors Sarai dit à Abraham, « C'est toi qui es responsable de l'injure qui m'est faite. J'ai poussé ma servante dans tes bras et depuis qu'elle s'est vue enceinte, elle me méprise. » C'est le comble. J'ai poussé ma servante, mais c'est moi qui est responsable. Que l'Éternel soit juge entre nous. Abraham lui répondit, ta servante est en ton pouvoir. Agis envers elle comme bon te semblera. Alors Sarai la traita si durement que celle-ci s'enfuit. L'ange de l'Éternel la rencontra près d'une source d'eau dans le désert, celle qui se trouve sur le chemin de Chour. Il lui demanda, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, « Je m'enfuis de chez Sarai, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne auprès de ta maîtresse et humilie-toi devant elle. » Et il ajouta, « Je te donnerai de très nombreux descendants. Ils seront si nombreux qu'on ne pourra pas les compter. » Puis il ajouta, « Voici que tu attends un enfant, ce sera un garçon. Tu l'appelleras Ismaël, Dieu entend. Car l'Éternel t'a entendu dans ta détresse. Ton fils sera comme un âne sauvage. » Il s'opposera à tous et sera en butte à l'opposition de tous. Mais il assurera sa place en face de tous ses semblables. Agar se demanda, ai-je réellement vu ici même le Dieu qui me voit? Et elle appela l'Éternel qui lui avait parlé du nom de Atta El-Roi. C'est toi le Dieu qui me voit. C'est pourquoi on appelle ce puits Ber Lachaïroi, le puits du vivant qui me voit. Il se trouve entre Kadesh et Beretz. Agar donna le jour à un fils que son père appela Ismaël. Abraham avait 86 ans quand Agar lui donna ce fils. Amen. Atta El-Roi. Le vivant qui me voit. Le Dieu qui me voit. Atta El-Roi. J'aime ce nom. J'aime beaucoup ce nom. Nous connaissons tous l'histoire d'Agar, nous connaissons tous comment elle est devenue la maîtresse d'Abraham. Et on la découvre ici, dans le désert, elle est en fuite. Et très souvent, quand nous lisons la Bible, nous voyons Agar et Ismaël comme des fauteurs de troubles. Cela à cause de qui, voilà, il y a eu beaucoup de choses. Mais nous les voyons rarement comme des victimes. Agar était une esclave. Et en tant que telle, elle appartenait à ses maîtres au même titre que des chèvres ou des moutons. Elle n'avait aucun mot à dire sur quoi que ce soit. Vous avez
Il y a des gens aussi qui sont comme ça. Ils n'ont aucun mot à dire sur quoi que ce soit. On te prend, on te jette en pâture, on j'en ai vu comme à gare. Ceux qui sont censés prendre soin de toi, c'est eux qui t'abandonnent. C'est eux qui te tournent le dos. Agar n'avait rien à dire. On lui a dit, à partir d'aujourd'hui, tu seras l'épouse d'Abraham. Est-ce qu'elle aimait Abraham? Je vous rappelle qu'il était vieux, très vieux. Est-ce qu'elle était amoureuse de lui? N'avait-elle pas un amoureux avec qui elle s'enfuyait de temps en temps dans les champs pour foulader? On ne sait pas. On ne sait pas. Mais elle s'est retrouvée dans le lit de ce vieillard. Vous savez, toute autorité vient de Dieu, c'est vrai. Mais toutes les autorités ne sont pas justes. Et dans cette histoire, Sarah et Abraham n'ont pas été justes. Je crois que dans vos vies aussi, il y a des autorités qui n'ont pas été justes vis-à-vis de vous. Vous savez, il y a des gens qui ne savent que abuser des plus faibles, abuser des enfants, abuser de ceux-là qui sont sans espoir, qui sont désespérés. Agar est donnée à Abraham et elle se retrouve enceinte. Ce que la maîtresse de maison n'a pu faire, l'esclave l'a fait. Alors il est normal que l'esclave aussi se cogne pour la maison de maîtresse. La maîtresse de maison. Sauf que Sarah ne l'entend pas de cette oreille-là. Esclave tu es, esclave tu resteras. Même si tu portes en toi le fils de mon mari, tu es et tu resteras l'esclave. J'attends de toi que tu m'honores, que tu me respectes. Je ne suis pas ta rivale, je suis ta maîtresse. Alors, elle se fâche contre Abraham. Sarah a peur, mais je pense que pour Abraham, c'est grave. Lorsque Sarah porte le problème d'Agar devant Abraham, il lui dit, c'est ta servante. Fais d'elle ce que tu veux. Elle était enceinte de lui. Mais il lui dit, fais d'elle ce que tu veux. Donc, et elle, et l'enfant, tu en fais ce que tu veux. Tu en fais ce que tu veux. Plutôt que de prendre ses responsabilités, d'assumer ce qu'il avait fait, de gérer le problème qu'il avait créé, il a tourné le dos. Il a tourné le dos. Et il y en a beaucoup ici comme ça. Tu as engrossé l'enfant d'autrui. Oh non, c'est pas moi. C'est pas toi, c'est qui? Il y a des gens là qui ont laissé des enfants au pays qui sont venus ici. C'est pas moi. C'est pas toi, c'est qui? Ce n'est pas mon enfant. Gère ça avec tes parents. Ce sont les parents qui l'ont engrossé. Ce sont les parents qui l'ont engrossé. Abraham a abandonné Agar entre les mains de Sarah. Oh, il savait que Sarah voulait la bouffer. Mais il a abandonné ses femmes. Il n'y a rien de plus irresponsable et méchant que de tourner le dos au problème que l'on a contribué à créer. Il y a des gens quand ils meurent. C'est là que vous découvrez que leur vie était tout et n'importe quoi. Vous découvrez tous les problèmes. Les problèmes que vous créez, réglez-les avant de mourir. Ne laissez pas vos problèmes à autrui. On ne laisse pas les problèmes en héritage. Ça, c'est méchant. Abraham a tourné le dos et il est parti. Agar aussi a tourné le dos et elle s'est enfuie. Et on la retrouve à côté d'un puits. Et la Bible dit que ce puits se trouve en Kadesh, qui veut dire c'est consacré, et Béret, qui veut dire appel. Et là, au milieu de ce puits, Dieu se révèle à Agar. Et il se révèle à elle comme étant Atta El Roy, le Dieu qui me voit. Le Dieu qui me voit. Dieu voit. Dieu voit. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne connais pas les justices qu'on t'a faites, mais je sais une chose, c'est que Dieu voit. C'est que Dieu, il voit. Parfois, nous avons l'impression qu'il est au ciel et plus bon. Il gère sa vie là-bas. Et puis, nous, on est ici, on gère notre vie. Et de temps en temps, il arrive que dans l'espace-temps, nos vies et sa vie se rencontrent. Non. Il s'intéresse à notre vie. Il s'intéresse à votre vie. Il voit chaque instant de votre vie. Il connaît chaque situation de votre vie. Il connaît les injustices. Il sait absolument tout. Absolument tout.
Ne croyez jamais que Dieu ne vous voit pas. Même quand vous êtes dans le péché, même. Il voit absolument tout. Et dans Atta El Roy, il y a l'idée de, c'est pas seulement qu'il voit, mais c'est qu'il me regarde. Il m'observe. Il fait attention à moi. Ma vie l'intéresse. Ce que je vis l'intéresse. C'est le Dieu qui est témoin de ma bonne conduite. C'est le Dieu qui examine ma vie. C'est le Dieu qui me distingue. C'est ça, Atta El Roy. Mais il est important de spécifier que Dieu ne regarde pas n'importe où. Je vous ai dit que l'ange l'a trouvé auprès d'un puits. Le puits se trouve en quoi? Entre Kadesh et Béret. Voici les limites où Dieu regarde. Entre Kadesh et Béret. Dieu a le regard sur les gens qui vivent dans la sainteté et qui s'en vont vers leur appel. Amen. Si tu es en dehors de Kadesh et de Béret, il te voit pas. Non, il te voit parce qu'il est omniscient, il est omniprésent, omnipotent. Mais il ne te regarde pas. Il ne te regarde pas. Dieu commence, je dirais, à te regarder à différemment quand tu entres dans la sainteté. Quand tu entres. Si tu es en dehors de ces deux points, il n'a pas le regard sur toi. Parce que tu es un pécheur. Il faut d'abord que tu fasses la paix avec lui. Avant qu'il examine ton cas. Avant qu'il regarde à ta vie. Il faut d'abord que tu fasses la paix avec lui. Et que tu t'engages à marcher dans les voies et dans les plans qu'il a pour toi. Amen. Parce qu'en dehors de ça, il ne te regarde. Il y a dans le nom Atta El Roy, l'idée de Dieu qui me voit et qui me regarde en vue de me faire justice. Atta El Roy, c'est le Dieu qui vient me défendre là où on m'a opprimé. C'est le Dieu qui examine mon cas et qui juge en ma faveur. Et Dieu ne peut nous regarder sans entendre notre détresse. Dans Exode 3, verset 7, il dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Dieu ne reste jamais indifférent là où nous souffrons. Dieu vous entend. Il vous voit. Et il ne reste pas indifférent. Il ne reste pas indifférent. Après avoir dit ça au verset 8 d'Exode 3, il dit, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Dieu vous voit. C'est ce que je viens de vous dire ce matin. Que Dieu vous voit. Et il voit vos situations. Il voit vos situations. Et là où Dieu voit et là où Dieu entend, ça le demande chaud qu'il fasse quelque chose. Mais il y a toujours un mais. Dieu ne peut agir que là où il y a de l'humilité dans le cœur de celui qui souffre. Quand il a rencontré Agar dans le désert, il n'a pas dit, Agar, qu'est-ce qu'on t'a fait? Pourquoi tu as quitté la maison de ta maîtresse? Il a dit, Agar, tu viens d'où? Tu vas où? Tu viens d'où? Et où est-ce que tu vas? Vous savez, ce qu'on vous a fait dans la vie, ça n'intéresse pas trop le Seigneur. Oh, on m'a fait ça, on m'a volé ça, je vais dire, oh, le poste qu'on m'a donné, ma belle-mère, mon beau-père, mes frères, mes demi-frères. Ce qui l'intéresse, c'est d'où est-ce que vous venez et où est-ce que vous partez. D'où est-ce que vous venez et où est-ce que vous partez.
C'est ça qui intéresse le Seigneur. C'est ce qui intéresse le Seigneur. Et quand il demande à Agar, Agar dit non, je me suis enfui de chez ma maîtresse. Il lui dit, retourne et humilie-toi. Et pourtant, elle avait raison de s'être enfuie. Elle avait raison. Depuis le départ, elle a raison. Depuis le départ, elle a raison. Mais tant que il n'y a pas d'humilité dans ton cœur, même si tu as raison, Dieu ne fera rien. Dieu ne fera rien. Ce n'est pas le fait d'avoir raison qui fait que Dieu intervient. C'est le fait de t'humilier qui va faire que Dieu va intervenir. Oh, moi, tu sais ce qu'on m'a fait. Oh, tant que tu veux défendre ta cause, Dieu ne peut pas agir. Tant que tu veux raconter ce qu'on t'a fait, Dieu ne peut pas faire. Il dit à Agar, retourne et humilie-toi. Humilie-toi, retourne et humilie-toi. Et nous devons comprendre que l'injustice que nous avons subie ou que nous subissons ne nous donne pas le droit devant Dieu de nous retrouver dans le désert. Et les gens vont te dire, non, je me comporte comme ça parce qu'on m'a fait telle chose, parce que j'ai eu à subir ça. Ce que tu as subi ne justifie pas la rébellion de la situation que tu as aujourd'hui. Absolument pas. Absolument pas. Parce qu'on t'a battu, il faut que tu battes les gens. Non. Je suis comme ça parce qu'on m'a fait ça. Ne laissez pas ce que les gens vous ont fait ou n'ont pas fait définir ce que vous allez faire ou ne pas faire. Vous valez plus que ça. Vous valez plus que ça. Vous avez le pouvoir, la capacité et l'obligation de ne pas réagir face à votre passé, mais d'agir. Ne laissez pas votre passé définir ce que vous serez, ce que vous êtes aujourd'hui, ce que vous serez demain. Moi, dans ma famille, c'était comme ça. Oui, mais tu peux faire les choses différemment. La vie est un choix. Tu peux faire les choses différemment. Il dit, retourne. Va t'humilier. S'humilier, c'est se courber. S'humilier, c'est s'agenouiller. S'humilier, c'est décider de regarder en bas. Bien aimé, tant que tu es en train de dire aux gens, on m'a fait telle chose, on m'a fait telle chose, au boulot on m'a fait ça, au boulot on a donné ma place, au boulot, Dieu ne peut rien faire. Pourquoi Dieu ne peut rien faire? Parce que tu te tiens justement entre toi et puis l'injustice qu'on t'a faite. Tu es là au milieu, d'un côté il y a Dieu derrière, et puis devant toi il y a l'injustice qui t'a été faite. Mais tant que tu es au milieu, pourquoi tu veux que Dieu qui est derrière vienne te défendre? Tu es dans le chemin. Tu es dans le chemin. C'est comme si Dieu a un fusil, il veut abattre l'injustice qui t'a été faite, et toi tu es en pleine ligne de mire, tu es pile devant le fusil. S'il tire, tu vas mourir. Alors il dit, humilie-toi, descends. Plus tu descends, plus tu laisses le champ libre pour descendre ton niveau. Mais quand tu restes là, oh Seigneur, tu sais ce qu'on m'a fait. Regarde, on m'a fait ça. En train de crier, il ne peut pas. Parce que tu es en danger. Vouloir te venger toi-même te met en danger. Alors humilie-toi. Décide de descendre. Là où tu descends, Dieu monte. Et là où Dieu monte, l'ennemi descend aussi. Et l'ennemi descend toujours plus bas que toi. L'ennemi descend toujours plus bas que toi. Toujours. Parce que là où tu t'humilies, Dieu va humilier ton ennemi. Mais si tu es toujours en train de te plaindre, toujours en train de raconter que c'est à toi qu'on a fait du mal, tant que tu voudras te venger, Dieu ne voudra pas te venger. Dans la vie, on ne peut pas avoir deux vengeurs, toi et Dieu. Ce n'est pas possible. Soit tu te venges, soit tu laisses le Seigneur te venger. Mais tu ne peux pas espérer que Dieu te venge là où tu t'es déjà vengé. Ce n'est pas possible. Dans Nombre 15, verset 16 et le verset 19, la Bible dit ceci. Si un homme frappe son prochain avec un instrument de fer et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. Verset 19. Le vengeur du sang fera mourir le meurtrier quand il le rencontrera. Il le tuera. Là où on peut faire une injustice, le vengeur de sang se met en marche. À condition que tu décides de mourir. Là où il n'y a pas de mort, il n'y a pas de vengeance. Dieu
Dieu ne venge pas les gens qui sont dans le coma. Il ne venge pas les gens qui sont blessés. Il venge les cadavres. Tant que tu vis, Dieu ne peut pas te venger. Tant que tu es moi, Dieu ne peut rien faire pour toi. Dieu ne peut rien faire pour toi. Tu veux que tu arrêtes de dire moi et moi. Que tu dis Seigneur, je laisse cette affaire entre tes mains. Et puis tu descends. Et puis tu descends. Agar est retournée à la maison. Et elle s'est humiliée. Et elle s'est humiliée. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous lisez la suite, ce que Dieu a dit qu'il ferait de son fils, il l'a fait. Si elle ne s'était pas humiliée, là, ça n'allait pas arriver. Je crois qu'aujourd'hui, il est bon que tu retournes et que tu te dis. Même si tu as raison, va demander pardon. Va demander pardon. Va demander pardon. Et laisse-la. Fais confiance au Seigneur. Il va te venger. Il va te venger. Certains vont dire, mais en quoi est-ce que Agar a été vengé? Vous savez, Dieu, il fait les choses, souvent il est comique. Lorsque Agar accouche, la Bible dit que c'est Abraham qui donna à l'enfant le nom d'Ismaël. Et Ismaël veut dire Dieu entend. Vous imaginez, pendant 13 ans, Abraham et Sarah, ils ont appelé l'enfant Ismaël. Ismaël, à chaque fois qu'on appelait cet enfant-là, il se rappelait que Dieu, il est Atta El Roi. Non seulement il voit, mais il entend. Donc on a intérêt à être juste. À chaque fois qu'on appelait le nom d'Ismaël, il y avait une crainte qui naissait dans le cœur de Sarah et d'Abraham. Il se rappelait que dans cette affaire-là, on a été injuste. Et Dieu a pris soin de ça. Dans cette affaire, on n'a pas fait les choses comme il se devait. Avec un simple nom. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais oublié qu'ils avaient été injustes. Et Agar n'a jamais oublié que dans ce désert-là, Dieu avait vu et que Dieu l'avait entendu. Et quand on appelait Ismaël, il dit, mais maman, pourquoi on appelle Ismaël? Il dit, non, Dieu entend. Dieu a entendu quoi? Dieu a entendu le cri de mon cœur. Et aussi, Dieu a vu. Bien aimé, laissez le Seigneur vous venger. Je ne sais pas ce qu'on vous a fait. Mais laissez le Seigneur vous venger. Laissez-le vous venger. Quand Dieu vous venge, il le fait et il le fait très bien. Dans Jérémie 50, verset 34, il est dit, mais leur défenseur est fort. Le Seigneur le Tout-Puissant, c'est son nom. Il plaide vigoureusement leur cause afin de rendre au pays son calme et d'ébranler les habitants de Babylone. Dieu s'intéresse à tous ceux qui sont en détresse et qui marche devant sa face avec droiture de cœur. 2 Chroniques 16, 9 nous dit, « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir qui? Ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. Agar était étrangère. Agar était une femme. Peut-être qu'aujourd'hui, ça ne veut pas être dit grand-chose, mais à l'époque, être une femme, c'était une malédiction. Donc, elle était une femme. Premier handicap. Elle était une étrangère. Gros handicap. Elle était esclave. Immense handicap. Devant les hommes, elle n'était rien. Elle n'avait droit à rien. Mais devant Dieu, elle a eu droit à tout. Elle a eu droit à tout. Quelle est cette chose-là qui est à toi et qu'on t'a prise? Est-ce que c'est ton honneur qu'on a pris? C'est ta place quelque part qu'on a pris. C'est ta dignité qu'on a pris. C'est ton argent qu'on a pris. C'est ta vie qu'on a pris. Qu'est-ce qu'on t'a pris? Qu'est-ce qu'on t'a volé? Qui fait qu'aujourd'hui tu es là, mais tu n'es pas là. Quelle est cette chose-là que tu as laissée dans la maison de Sarai et Agar? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi aujourd'hui Dieu te retrouve dans un désert? Qu'est-ce que tu fuis? Quelle est l'injustice que tu fuis? La situation qui ne change pas.
L'enfant qui ne vient pas. Le mariage qui ne vient pas. Qu'est-ce que tu fuis? Quelle est l'injustice que la vie t'a faite? Dieu vient et te dit, tu viens d'où? Et tu vas où? Tu viens d'où? Et tu vas où? Et il te dit, retourne. Retourne à quoi? Retourne au bon sentiment que tu avais avant. Retourne à ce cœur pur et obéissant que tu avais avant. De laisser l'amertume, de laisser la rancœur, la tristesse entrer. Il dit retourne à cela. Là où ton cœur deviendra pur, sa main va agir. Là où tu vas t'humilier, tu vas voir qu'il va agir. Mais il dit retourne. Parce qu'il est le Dieu qui te voit. Il est le Dieu qui entend tes cris de détresse. Et il est aussi le Dieu qui fait agir. À condition que tu t'humilies. À condition que tu t'humilies. Que soit votre soin. Amen. On va prier. Et cette fois-ci, on va vraiment prier. Pas ce que vous avez fait tout à l'heure. Vraiment, on va prier. Ceux qui peuvent, je vais vous inviter à vous mettre. Chacun va sortir. La voix de ses tripes. On va parler aussi. On va parler aussi. Véritablement. Parlez-lui de l'injustice qui vous a été faite. Parlez-lui de la situation qui aujourd'hui vous étrangle, vous empêche de vivre. Parlez-lui, bien-aimé. Moi, je ne connais pas la situation, je ne peux pas parler pour vous. Mais vous connaissez la situation, alors parlez-vous. Parlez, bien-aimé, parlez. Parlez au Seigneur, parlez au Seigneur. Quelle est cette chose-là qui vous empêche d'aller de l'avant? Dans quoi est-ce que vous avez besoin que Dieu se révèle à vous comme Atta Elrol, le Dieu qui vous voit? Non seulement il vous voit, mais il peut intervenir aussi. Élevez la voix. Élevez la voix, élevez la voix. Parlez véritablement au Seigneur, parlez-vous. Là, il s'agit de votre vie, ce n'est pas la vie du voisin, ce n'est pas le projet de l'église, c'est votre vie. Alors, élevez la voix et parlez au Seigneur. Si votre problème ne vous trouble pas vous-même, ne va pas troubler personne d'autre. Parlez à Jésus. Présentez-lui la situation. Parlez-lui du problème. Pourquoi vous n'êtes pas là où vous deviez être? Pourquoi vous êtes dans ce désert? Quelle est la situation qui vous a entraîné dans ce désert? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous retrouviez là où vous êtes aujourd'hui?